Qué presencia. Qué voz. No, vos no sé, porque todavía no la escuché cantar. Vamos a ver ahora. Placer. ¿Cómo canta hasta ahora, este mediodía? Está con nosotros en 360 al día, Emma Chaplin. Pido un aplauso, por favor. Bien, bienvenida. Welcome. Y también la acompaña Belén Badía, nuestra compañera, que nos va a ayudar, porque Emma se maneja mejor en francés, ¿verdad? Sí. Emma habla más que nada francés, un poquito inglés y entiende algo de español. Pero le quería decir, no sé si lo agarró, il vous donne la bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir là. Gracias. Gracias. Vous êtes très belle. Es hermosa. ¿Cuándo llegó a la Argentina? ¿Qué día? Quel est le jour exactement? Quel jour vous êtes arrivée à l'Argentine? Je sais plus. C'est combien de temps que je suis arrivée? Ça fait, je sais pas. Non, c'est quoi? Non, c'est quoi? Parce que c'est mon choix. Je me recommande la mémoire. En fait, je suis très très mauvaise avec tout ce qui est planning et tout ça, les heures et tout ça. J'ai pas de montre. Muy mala, no tiene reloj, es muy mala con los horarios. Ça fait 4 jours? ¿Cuatro días? Es artista, está bien. ¿Y qué recorrió hasta ahora? ¿Vos habéis parcouru la Argentina? En fait, j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Rosario. Oui, d'abord, ça c'était avant-hier. J'ai donné un concert à Rosario. Antes de ayer, tu en Rosario. Ah, formidable, Rosario. Formidable, formidable. Le public. El público. Très présent, super. C'était superbe. Très belle soirée. Espectacular, el público muy presente. Ella está entusiasmada, impresionada con el público argentino. Son muy cálidos. Si nos puede contar un poco su look, porque es realmente muy particular y. Muy atractivo, et l'événement, votre tenue, c'est différent, quoi. C'est différent, je sais pas. Vous voyez, moi j'ai mis la cravate. Je sais pas, oui, vous trouvez. Bueno, en realidad, es un look muy francés también. Certainement, oui. Sí. Oui, certainement. C'est assez parisien, oui. Parisino, tal cual. Claro. Bueno, hace poco estuve en París, yo quise un poco mezclarme con las parisinas, no tuve éxito. Ah, elle était à Paris, elle voulait se rassembler aux Parisiennes. Ressembler aux Parisiennes Exactement. Sí. Non, mais ça l'est. Et non, elle n'a pas arrivé. Ça va marcher? Mais si, non, mais si, tenez que intentarlo. Más latina. Quiero hacer una pregunta con respecto a su infancia, porque vamos a hablar de una mujer muy femenina, muy linda, pero he leído que de chica le gustaba mucho jugar al fútbol con sus hermanos, trepar a los árboles, era bastante... Quand tu étais petite, tu jouais au football avec tes frères? Ouais, bah, au rugby plus. Plutôt, au rugby même. Rugby? Oui. Rugby también? Ouais, ouais. J'étais plus un petit... Bah, j'avais deux grands frères, donc j'étais plus un petit garçon manqué. Era un nenito, porque tenía dos hermanos grandes. Mais surtout un petit clown. Et maintenant, vous êtes très féminine. Bah, je sais pas, vous trouvez, ouais, certainement. Si ustedes encuentran que ella es femenina. Muy. ¿Cómo fueron sus comienzos, no? Digo, porque, bueno, es una cantante, sos una cantante soprano que se dedica después al lírico, al pop. Y digo, esa mezcla, ¿cómo llega en la carrera? Le parcours artistique, quoi, de soprano, et maintenant, bon, lyrique, votre commencement. Et le parcours artistique, quoi. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu? Bien, en fait, c'est vrai que j'ai commencé à aimer chanter en chantant de l'opéra, donc j'ai commencé à prendre des cours, et puis après, j'ai dû arrêter. Donc, je me suis mise à hurler dans un groupe de hard rock, ça m'a fait beaucoup de bien. Primero estudió ópera, y después tuvo que parar por algún motivo, y se puso a estudiar hard rock. Ça m'a donné, en fait, ça m'a permis de me libérer, beaucoup d'énergie au niveau de l'interprétation, au niveau de ma tessiture aussi. J'ai découvert que je pouvais chanter plus bas, plus grave. Et con el hard rock, ella descubrió que primero se liberó y podía cantar en diferentes tonos y se dio cuenta que tenía como más matices en su voz. Et c'est vrai que ensuite je suis retournée. J'ai repris des cours classiques, mais bon, je trouvais pas vraiment ma place, donc j'ai rencontré un compositeur et on a commencé à monter le premier album, donc Carmine Méo. C'était un style un peu particulier. J'appelle ça un néoclassique, on va dire. Ella ahora está interpretando neoclásico, porque en un momento ella volvió a estudiar clásico, pero no encontraba su lugar, así que bueno, encontró a un compositor que le ayudó a armar su primer álbum. Hay algo que leí que me heló un poco la piel, dije, no puedo creer que haya hecho esto, cuando estuvo en su etapa de hard, que fumó mucho para que la voz fuese un poco más grave y más pesada. ¿Sabes cómo fue eso? Sí, compré, güey. Unbelievable.
Non, pourquoi? Quand on a 16, 18 ans, c'est tout à fait courant. C'est tout à fait courant. En adolescent. Mais c'est vrai que le rock m'a pas quittée, donc j'avais envie de redonner une touche un peu plus pop rock. Donc j'ai sorti après Eterna, donc qui était encore un album néoclassique, j'ai composé et écrit un album qui s'appelle Macadam Flower, donc c'était le dernier. Et celui-ci il est carrément orienté pop. Et c'était un besoin. Encore un besoin d'expression. Pero más allá del rock, también le gusta el pop. Y el último álbum es rock pop. Claro. He leído, ella es una mujer muy creativa, ¿no? Sobre todo lo muestra en sus shows y es muy expansiva. Y le digo que chequea todo, las luces, los efectos. Pero leí que sus padres querían llevarla a una carrera mucho más seria y menos creativa. ¿Querían que fuera secretaria administrativa, sus padres? Tes parents, ils voulaient que tu sois secrétaire administrative. Ben, en fait, ma mère est secrétaire et mon père était gardien de la paix, donc policier. Donc, La maman secrétaire et le papa policier. comme moi, je rêvais de m'exprimer en chantant, en composant, même dans le théâtre, etc. Donc, ouais. Et c'était pas du tout leur tasse de thé. Donc, ce qui fait, je faisais plus rien à l'école. Donc, ils se sont dit, il faut bien que tu trouves un travail. Donc, soit tu vas devenir policier, soit tu vas devenir secrétaire. Voilà. Bueno, o vas a ser policía o vas a ser secretaria. Pero no, la padre me dijeron, algo tenés que hacer, porque ella le gustaba interpretar, le gustaba cantar, componer. Claro. Mais bon, Je crois que la vie vous emmène vers où finalement vous devez aller parce que la vie te lleva donde tenés que ir. Parce que même quand j'ai voulu arrêter de chanter ou arrêter de faire autre chose parce que ça marchait pas comme je voulais ou quoi, à chaque fois le lendemain je rencontrais quelqu'un ou quelque chose me remettait dedans. Donc je suis toujours là. Voilà. Bueno, si en algún momento su camino se desviaba, siempre sucedía algo que le hacía volver. Claro. Muy bien. Destino. Así que bueno, ella está acá. Por eso. Sus referentes musicales, así cuáles son, digamos, de sus gustos y quién la ha influenciado más. ¿Qué es que vous écoutez vous-même? ¿Quelles sont votre idoles musicales? En grande partie quand même de la musique classique. La musique classique. C'est vrai. Pas mal de. Un peu de musique contemporaine et puis sinon j'écoute encore toujours David Bowie très souvent. David Bowie. Ça reste. Et puis sinon tout ce que en fait je suis un peu une éponge donc j'évite d'écouter trop de choses. Es una esponja, quiere escuchar todo. Donc mais sinon je prends des influences d'un peu de la musique de mes amis ou de ce que j'écoute de partout quoi. Et lo que escucha de todo y sobre todo de sus amigos también, lo contemporáneo, de todo. Nada de Edith Piaf, yo amo a Edith Piaf, por ejemplo. Edith Piaf? Non, pas trop. Non, pas trop. Non. Non, pas trop. Ouais, j'aime beaucoup, hein. j'aime beaucoup. No, le gusta mucho. Ouais. ¿Cómo estás viviendo? Ella es una mujer muy sensible y una artista. ¿Cómo estás viviendo esta crisis europea? ¿Cómo se vive en Francia? ¿Cómo la pasan sus amigos? Côté, disons, politique, économique, la crise européenne, c'est comment Moi, personnellement, je l'ai pas trop senti. Ça n'a pas été, dramatique. Mais c'est vrai que je trouve quand même qu'en France les gens sont encore très très optimistes et bizarrement j'ai l'impression qu'ils se remettent à sortir plus qu'avant. C'est ce qui est étonnant. En Francia ellos encuentran que la gente es optimista y como que tiene proyectos para salir mucho más que antes. C'est étonnant, c'est un phénomène étonnant, mais alors qu'en fait il y a pas mal de licenciements, il y a beaucoup de problèmes quoi. Ouais. Lo necesito hacer, te lo tengo que pedir. Cuidado. Te juro que no, ya no aguanto más. Yo tengo un par de mails, quiero preguntarle por el amor, porque hay muchos después, hombres acá que nos están preguntando si está enamorada, si ha visto hombres argentinos. Es como que pregúntale ahora, porque es un argentino que busca la atención. ¿Qué dijo que sí? No quiere hablar, me parece. ¿De qué? Que les hommes argentins, ça vous dit quelque chose? Ils sont... Oui, j'en ai croisé. Vous avez vu? Ils sont pas mal, ouais.
No, no está nada mal. Está bien. Es una cosa elegante, una salida polite, muy polite. Está muy bien. C'est gentil de votre part. D'accord. Non, il a mal pris, hein. C'est pas ce que je voulais dire. Non, pero no quiso decir que vos está bueno. Muchas gracias. Tachó la doble. Yo me venía anotando, eso es así. Yo me venía anotando. Se tachó la doble. No, señor. Acomodame la traducción, no. Hacelo quedar bien. ¿Está en pareja, Emma, ahora? Se tentó. Vous êtes avec quelqu'un maintenant? Côté amoureux. Tu as pensé demasiado. Ah, on va dire, je vais répondre comme ça. Pour le moment, je suis avec mon toutou. Quelque chose. Ah, non, le perrito. Tiene una compañera, una mascotita. Non, mais je pense que c'est vrai, comme je voyage beaucoup et puis. Je suis tout le temps en vadrouille, donc c'est pas très constant, quoi. No es muy constante, no puede ser. No sé, Claudio, vos que bancás, que viajas mucho. No podríamos. Decirle que no podríamos. Está bien, gracias. Es tan posible entre vos. Gracias, Iván. Buena hora. Me gustó. La tiene muy clara. Es divina, puedo pedirle. La semana pasada presentábamos, porque estuvo en Radio del Plata. Claro. Y en un pedacito de la nota vimos que cantó Solo le pido a Dios. Yo estuve todo el fin de semana repasando la nota y cantando. No lo voy a hacer. Arriba de Emma Chaplin, llorando. Ah. Necesito que la tengo en vivo, que me cante, por favor. Porque ella para el show del 27 de septiembre en el Luna Park preparó algunas canciones especialmente para nosotros, para los argentinos. Muy bien. Eligió Solo le pido a Dios. Mm. Elle vous demande si vous pouvez chanter un tout petit peu. Ah, flûte, j'ai pas fait ma voix ce matin. Dice que es complicado la mañana para los cantantes. ¿Vous m'aidez? ¿La ayudamos? Sí, dale, palma. Sí. Con lo único que puedo hacer. No, Silvina, la puede ayudar. ¿A capela? ¿Cómo se? ¿A capela? ¿Cómo se va a dar? Solo le pido a Dios que el dolor me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía, sola, sin haber hecho lo suficiente. Tú. Es muy difícil. La divina. Ce qu'il faut dire quand même, en ce qui concerne le concert, c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de décrire ce que je fais, parce que comme j'ai plusieurs axes, mais le concert en fait, il va être très orienté néoclassique, donc surtout sur mes premiers albums, il va être très lyrique en fait. Es muy difícil de decir lo que ella va a hacer, porque obviamente que su estilo... Pero va a ser sobre orientado en los primeros álbumes, el concierto de Luna Park. Bien. Sobre todo neoclásico. Très néoclassique, très lyrique, très vocal. Muy lyrique, muy vocal. Claro. Et puis, évidemment, j'ai introduit quelques chansons un petit peu plus rock. Donc, chantez pas. Un poco rock. Voilà. Bien. Et puis, donc, petite surprise. Y sorpresas. Y es responsable de todo. He leído que es responsable de toda, de la puesta, de las luces, chequea todo. ¿Y vos estás en charge de todo, disons, a nivel espectáculo, de todo? De lumière, ouais. Les gens, oui, le. Oui, oui. En fait, c'est. Et vous êtes très exigeante. Pas tant que ça, en fait. Tant que chacun a conscience que ce qu'il fait, c'est pour lui. Chaque être, ouais. Il faut qu'il ait conscience que s'il vient travailler avec moi, en fait, il le fait pour lui, parce que c'est lui qui va s'exposer. Donc ouais. tant que c'est clair, en fait, il n'y a pas besoin d'être... Les gens font au mieux. Donc, voilà. Más allá de que la gente vaya a trabajar con ella, la gente trabaja para ella misma. Claro. Si ellos tienen en claro eso, que el que se expone es uno, entonces la gente lo hace mejor. Claro, muy bien. Un placer que haya estado aquí. Realmente nos trajo magia. Yo creo que ella es gran portadora de magia. Tiene un aura fantástico. Como un magicien, usted como un magicien. Muchas gracias. Pero no lo toque. Bueno, sorcière. Ella dice que ahora no está en pareja, pero calculo que debe haber pasado por el Puente de las Artes. Ah, el Pont des Arts, a París. ¿Y alors? Le Pont des Arts. Pasó por el Puente de las Artes. Hay algún mito, algo con respecto. Claro. C'est le Pont des Amoureux. Vous êtes allé passer sur le Pont des Arts. Sí, porque hay que poner la llavecita, según cuenta el mito. Ah, un candado. Con tu pareja.
¿No estás enterada? ¿Qué? Ça veut rien. C'est pour, disons, pour faire éternelle la relation amoureuse avec toi. Sur le pont des Arts? Oui. C'est une tradition? Oui. Y se tira al Sena la llave. Uno se promete amor eterno con el otro, pone el candado y tira la llave al Sena. Et vous dites avec votre couple, je vais t'aimer pour toujours, et vous jetez la clé à l'arrière. Sí, really. Acá tengo un candado, decirle. Pero me encanta la pareja. Eso lo entendió. Il veut aller au Pont des Arts avec vous. D'accord. Mon Dieu. Vamos a compartir esta nota, pero antes la despedimos, le agradecemos muchísimo. Merci. Merci beaucoup, gracias por estar aquí. Un placer. Un placer. Y estaremos todos ahí viéndola el 27 de septiembre en el Luna Park. Muy bien, un placer. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Por favor. Un placer, ¿no?